Je vais réaliser un gâteau, le gâteau mascarpone sans chocolat. Donc pour cela, il nous faudra 150 g de farine, un sachet de levure. Il nous faudra 100 g de sucre. Il nous faudra 4 œufs. Il nous faudra aussi 60 g de beurre. 250 g de mascarpone et pour ma part je rajouterai une arôme vanille. Donc pour commencer nous allons commencer à casser nos œufs. C'est maman Julie. Tu veux essayer, Julie? Vas-y. Oh oh. Allez. Là, elle va tomber. Allez. Ok. Donc, c'est pas grave. Après, pour appuyer. Je vais faire fondre mon beurre. On mélange farine et levure et on va les incorporer. Voilà, vous pouvez mettre votre mascarpone avant la farine ou après, peu importe. Thank you.
réchauffer votre four à 180 degrés. Le gâteau mascarpone nature sans chocolat. Voilà. Donc ensuite, nous allons prendre un plat, nous allons le beurrer. Comme ceci. Le beurre. On en met partout. Voilà, vous préchauffez votre four à 180 degrés et cuisson 30 à 45 minutes. Et tout dépend de votre four. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Nous allons mettre. Voilà, comme ceci. Voilà, pour ma part, je vais rajouter quelque chose en plus, personnellement, des mini colores, des petites billes. Juste par-dessus. Et ceci, des pastilles choco, multicolores. Non, c'est pas lui. Voilà, cuisson 30 à 45 minutes à 180 degrés. On se retrouve juste après. Voilà, donc mon gâteau mascarpone est réussi après 45 minutes de cuisson. J'ai rajouté pour ma part, vous savez très bien, des petites billes. Voilà. Une jolie déco. Je vais couper une petite part.
fait le petit foyer qui reste. Comme ça. Et la dernière fois que tu m'as passé sa photo, je l'ai rendu sa photo comme ça. Voilà, très intéressant. Ça sent trop bon. Voilà, génial comme gâteau. Voilà, la dernière fois c'était le gâteau mascarpone au chocolat. Et là c'est gâteau mascarpone tout court. Voilà, nature. Voilà, et ça sent très bon. Donc moi ce que je peux vous dire, c'est de réaliser cette recette. Très facile, pas compliqué à faire. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous.